Dans cette première capsule, nous verrons comment effectuer une recherche dans les dictionnaires d'antidotes. Tout d'abord, on démarre Antidote. Ensuite, dans la fenêtre ici en haut, on tape notre mot. Dans notre cas, nous allons chercher le mot décrochage puisqu'il est relatif à notre thème. Au fur et à mesure qu'on écrit les mots, vous voyez qu'il y a les lettres, il y a une liste ici de mots qui s'affichent, qui peut nous aider si on n'est pas certain de la graphie du mot. Donc nous, au décrochage, on peut cliquer dessus lorsque le mot apparaît et Antidote recherche le mot. Donc il nous a cherché le mot décrochage, il a trouvé trois définitions. On nous fait part des flexions ici, de l'étymologie, de la fréquence. En bas ici, on a les mots proches, donc qui peuvent se ressembler au niveau de la graphie ou de la catégorie. Donc différents mots qui est possible de cliquer pour aller voir. Décochage, non, c'est pas la même chose. Donc décrochage, c'est bien ce qu'on cherche. Antidote possède plusieurs dictionnaires. Une fois la recherche effectuée, on voit au bout de chaque dictionnaire combien de résultats sont trouvés pour chacun des dictionnaires. Donc, il a trouvé trois définitions, deux locutions, 36 synonymes au décrochage, un antonyme, 32 co-occurrences. Donc, je vous invite à explorer les différents dictionnaires. Nous, dans les prochaines capsules, nous verrons davantage le dictionnaire des locutions, le dictionnaire des co-occurrences, ainsi que le dictionnaire des analogies, de façon à enrichir le vocabulaire pour nous préparer à l'écriture.